Bonjour à tous. Zach Moukassa. C'est quoi ça? Chaque jour, bonjour à tous, bonjour à tous. Cher, c'est fatigant, t'as pas autre chose à dire? Je travaille. Mais ça fait un moment que je t'attends. Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Quel travail? Comment, mon cher? Bon, t'as beaucoup d'autres choses à faire, il faut aller faire ça. Tu nous passes le temps ici. Bonjour à tous. Excusez-moi, c'est quoi ça? Salut. Écoute, je dois passer je suis un son message. Frère. Moi, c'est des Mac. Gens qui m'attendent. Il y a tellement de gens qui m'attendent chaque jour. Je dois passer un message. Tu n'as pas parlé de moi. Je dois encore aller travailler. C'est tout ça. C'est incroyable, le gars. Bon, à tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Je suis sincèrement désolé pour ça. Je recommence ou je continue directement? Enfin, bref. Alors, les amis. Oh là là. Alors, les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, comme d'habitude. J'ai reçu un message particulier qui m'a vraiment touché. Et je pense qu'il est nécessaire d'élaborer sur ce sujet auquel nous sommes chaque jour confrontés. L'expérience nous apprend beaucoup de choses. Vous savez, comme je le dis très souvent, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Les hommes et les femmes sont différents. L'homme et la femme ne sont pas égaux, ils sont différents, ils sont complémentaires. Et quelqu'un me disait que la seule chose qui unit l'homme et la femme, c'est qu'ils ont tous un visage, ils ont tous des bras, tous des jambes, tous un cœur. Mais le reste est complètement différent. Les Anglais parlent de les hommes sont de Mars et les femmes sont de Vénus. C'est-à-dire que la psychologie d'un homme n'est pas nécessairement égale à celle de la femme. Aujourd'hui, je veux parler à mes jeunes frères. Je sais qu'il y a des gens plus âgés aussi qui auront besoin de ce conseil. Encore une fois, on ne court pas derrière une femme. On ne court pas derrière une femme espérant en faire la femme de sa vie. Ou espérant avoir une relation, une vraie relation, une relation sérieuse avec. Ça ne marche pas. La femme doit se présenter naturellement, ou la relation doit être naturelle entre vous deux. D'abord, je vois beaucoup de personnes aujourd'hui à cette ère d'Instagram. On voit beaucoup de très jolies femmes sur Instagram, n'est-ce pas? Et très souvent, quand on s'intéresse à une femme, vous lui écrivez, certainement à beaucoup ici, vous écrivez à une femme, salut, bonjour, elle ne vous répond pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous verrez beaucoup de gens aller dans les commentaires, commencer à dire, oh, tu es jolie, oh, qu'est-ce que tu es belle, oh, tu es un ange. Et l'homme crée à la femme. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Tu dragues une femme. Elle ne t'a jamais répondu. Ou si elle t'a répondu, elle n'a fait salut ou CC pour dire coucou. Mais toi, tu vas sur Instagram, dans ses photos, et tu bombardes des compliments. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Et Dieu crée à la femme. Pourquoi vous faites ces bêtises? Regardez, les femmes réfléchissent comme les hommes. C'est-à-dire, quand une femme voit un homme qui l'intéresse, elle réagit différemment de quand elle voit un homme qui ne l'intéresse pas. Vous écrivez à une femme, elle ne vous répond pas. Elle n'est pas en train de faire la femme. Ça veut dire qu'elle a déjà vu votre profil et vous n'êtes pas le genre de personne qui l'intéresse. Elle n'est pas en train de faire la femme. Oh, tu fais des fières. Non, ce ne sont pas des fières. Ça veut simplement dire qu'elle t'a pris. Elle t'a placé dans sa machine à calibrer. Elle a dit non, ce gars-là, il ne vaut pas mon temps. Voilà pourquoi elle n'a pas répondu. Donc ce n'est pas en écrivant encore salut, salut, coucou, ça va. Pourquoi tu ne réponds pas qu'elle répondra? Au fait, vous passez pour un ridicule en faisant ça. Il ne faut plus faire ça, s'il vous plaît. Il faut avoir de la valeur, il faut avoir de l'estime personnelle. Vous savez, les femmes sont intéressées par quoi? Très jeune, j'apprenais. J'apprenais de mon frère que les femmes savent voir qui s'intéresse à elles. Donc, quand une fille vient dans le quartier, qu'est-ce qu'il faisait lui? Quand une fille jolie vient dans le quartier, tout le monde venait, hey, bonjour, comment ça va? Tout le monde essaie d'impressionner. Qu'est-ce que lui faisait? Il faisait semblant de ne pas remarquer la fille. En fin de compte, des gens plus beaux que lui, mieux assis que lui, étaient peut-être mis à l'écart par cette frénésie de « bonjour, la nouvelle est là ». Mais le monsieur là, un simple gars qui n'avait pas grand-chose, qui ignorait complètement la femme, commence à attirer l'attention de la femme. La femme veut savoir pourquoi toi tu l'ignores, pendant que tout le monde l'acclame. « Hé, tu es jolie, Dieu crée la femme ». La femme que Dieu crée, c'est ta maman. Quel Dieu crée la femme? Donc un conseil pour vous, vous écrivez à une femme, elle ne réagit pas. Il faut la laisser. Il ne faut pas aller, salut, bonjour, arrêtez de commenter ces photos. Si vous voulez attirer l'attention d'une femme, vous pouvez liker une photo et laisser tomber. Une seule. Il ne faut pas aller liker 32 photos à la fois. Like, like, like. Ça ne marche pas. Numéro 2, vous écrivez à une femme, elle ne vous répond pas. Ensuite, vous vous battez dans la vie. Elle vient vous répondre après 2 ans ou après 1 année. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, à très très longtemps. J'écris à une femme, elle ne m'a pas répondu. Elle me répondra après 2 ou 3 ans. 2 ans, je crois. Ah, salut. Oh, désolé, je n'avais jamais vu le message. Moi, je me dis, ah, donc c'est dans vos habitudes de répondre après 2 ans, quoi.
Cela a vraiment fait mal. Je n'étais pas intéressé. Je vais vous dire une chose. Et ça, ce n'est pas particulièrement pour mon cas. Quand vous écrivez à une femme, elle ne vous répond pas immédiatement. Elle vous répond après un an ou après trois mois ou après cinq mois. Vous savez, c'est pourquoi? C'est parce que, soit un, elle a des problèmes avec son homme. Elle a besoin d'un exutoire. Elle a besoin d'un réconfort. Ou deux, elle a complètement brisé avec son homme et elle cherche un potentiel partenaire. Et elle a fouillé, elle a regardé parmi toutes ces personnes qui l'a dérangé. Qui a les probabilités, les capacités, hein, qui paraît pétillant. Le plus pétillant, c'est vous, si elle vous a recontacté. Les femmes sont foutent éperdument de vos sentiments. C'est vous qui vous intéressez quand une femme t'écrit « Bonjour, salut, tu... » Même si elle est moche comme un crapaud, vous avez envie de répondre pour ne pas la vexer. Les femmes s'en foutent de tout ça. Quand une femme te répond après plusieurs mois et que ta vie est changée en ce moment-là, ce n'est pas pour vous qu'elle a répondu. Elle a réalisé que dans ce moment-là, il n'y a personne de mieux que vous. Elle vous recontacte, espérant lui donner une nouvelle chance. Et malheureusement, beaucoup d'hommes bêtement donnent une nouvelle chance à cette femme. Vous écrivez à une femme, elle ne vous répond pas. Quand elle vous répond un peu plus plusieurs mois, vous aussi ne répondez pas. Vous écrivez à une femme, bonjour, salut. Elle vous répond après trois jours. Elle vous laisse en vue. Après trois jours, elle répond. Vous aussi attendez trois jours. Vous la laissez en vue. Ensuite, répondez. Il faut établir le respect. Les femmes sont chasseuses comme les hommes sont chasseurs. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. Les femmes peuvent aussi, comme les hommes, écrire bonjour, salut, comment tu vas? J'espère que chaque jour t'écris comme vous écrivez aux femmes. Elles font ça aussi. Mais quand on vous laisse en vue, c'est-à-dire c'est vous qu'on a pris pour un bâtard. Il ne faut pas accepter ça. Quand on vous laisse en vue et qu'elle revient, il faut aussi la laisser en vue pendant 2-3 jours ou peut-être 4 jours. Ensuite, ouais, désolé, je t'ai occupé. J'ai pas bien compris la question. C'est comme ça qu'on rétablit le respect. La réalité est celle-ci. La plupart des gens, comme vous, viennent lui dire combien elle est jolie, combien elle est belle, combien elle est pétillante, comment Dieu a créé la femme en elle. Pourquoi vous venez répéter les mêmes bêtises qu'elle entend chaque jour, chaque jour, chaque jour? Ça a perdu sa valeur. Quand vous venez et vous montrez des choses différentes, vous ne dites rien d'analogue à ce que les autres lui racontent. Elle se demande pourquoi lui me... Hein? Pourquoi lui me dit rien? Pourquoi il n'essaye pas de me... Hein? Pourquoi on est ensemble mais il n'essaye rien? C'est ça. Regardez, j'ai appris il y a longtemps pour finir que l'homme se donne la valeur. C'est vous qui vous accordez la même valeur que vous voyez chez les autres. Travaillez sur vous, cherchez de l'argent à travers une passion que vous aimez, c'est-à-dire votre boulot. Travaillez dur au point où vous avez ce que vous désirez. Vous n'aurez pas à courir à une femme. Ça, c'est un conseil que mon frère procureur m'a donné. Peut-être qu'il verra la vidéo. Il y a très longtemps, j'étais très jeune. Donc, travaille sur ton boulot. Quand tu auras ce que tu désires, tu n'auras plus à courir derrière une femme. C'est elles qui viendront vers toi. Et ça, ce n'est pas un message pour déranger les sœurs. Ne vous inquiétez pas, je vous aime. Je ferai une vidéo à votre égard aussi. Je sais que beaucoup ont réclamé. Mais je pense qu'il est nécessaire de parler à vos frères. Parce que vous avez des frères ici qui ont besoin d'aide. Quand vous courez derrière une femme, vous n'aurez jamais une vraie relation. Vous courez derrière une femme qui accepte de se mettre avec vous. C'est simplement parce qu'elle a réalisé autour d'elle qu'il n'y avait personne de mieux que vous. S'il y a quelqu'un de mieux que vous, ce n'est pas vers vous qu'elle va regarder. Absolument pas, ne vous trompez pas. Gardez la posture. Elle ne répond pas, vous aussi ne répondez pas. Elle prend du temps pour essayer, vous aussi prenez du temps. Qu'elle ne se serve pas de vous. Il ne faut pas accepter ça. Elle vous dit salut, vous dites bonjour. Stop. Une femme te donne son numéro de téléphone, d'accord? Tu prends le numéro de téléphone. Ce n'est pas pour commencer à l'appeler chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Écoutez, même si vous mangez du chocolat du lundi au 30, à un moment donné, vous allez vous en fatiguer. Le chocolat est bon, non? Mais vous mangez du chocolat lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous allez vous fatiguer. Il faut intriguer la personne, c'est-à-dire, on vous donne le numéro, n'appelez pas immédiatement, attendez 2, 3, 4 jours pour envoyer un message. Salut, c'est moi, comment ça va? Elle dit, oh ok, c'est le gars. N'attendez pas trop longtemps, il va vous oublier. Attendez 3, 4 jours pour réagir. Et quand vous appelez une fois, vous avez une belle discussion ensemble, ensuite vous disparaissez un peu. Vous parlez pendant une semaine, comment ça va, je vais très bien, qu'est-ce que tu fais? Vous disparaissez un peu pour attirer l'attention. Si vous êtes toujours constant, 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 c'est fatigue de vous. Regardez, il y a des femmes, des gens bien établis dans la société qui oublient leur mari et tournent leurs yeux vers des gens moins importants. Pourquoi? Parce que la personne, malgré sa nature, malgré sa force, malgré son argent, est toujours présent, 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 présent. C'est fatigant. Il faut intriguer, il faut quelquefois être absent. Tu laisses à la personne le temps de réagir, le temps de te contacter. Le temps de... Ah, mais pourquoi il ne me contacte pas? Pourquoi il ne m'appelle pas? À partir du moment où elle sait que c'est qu'elle t'appelle ou pas, tu vas l'appeler. Tu as perdu la valeur. Merci encore infiniment pour rétablir le respect. Laissez un commentaire, vous savez comment ça se passe. Si ceci vous intéresse, ce genre de sujet, faites-nous savoir. Les femmes aussi, si vous pensez que c'est un genre de sujet que vous aimez, faites-nous savoir. Vous ne parlez pas. On parle aux hommes parce que les hommes écrivent, les hommes réagissent. Vous réagissez, on parlera de vous. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mwikasa. Le guerrier noir.
votre frère. Ça va paraître dur, mais il faut que je dise la vérité. La femme, surtout la femme que vous êtes encore en train de draguer, il faut la traiter comme un chat. Avez-vous déjà essayé d'appeler le chat du voisin? Ah, minou, 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 qu'est-ce qui se passe? Il ne vient jamais. Vous appelez le chat du voisin, il vous regarde comme ça et puis il s'en va. Mais quand vous faites semblant, vous laissez tomber, vous l'ignorez, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez le chat venir dans vos jambes, seul. C'est exactement comme ça qu'on traite les femmes. Quand vous donnez trop d'attention, elle dit « Ah, il est comme les autres. » Quand vous n'en donnez pas, elles reviennent au galop très vite. « Tu te salues, bonjour, comment ça va ?» Faut être sincère, petit.